retourner là avec nous. L'autre opérateur qui va venir nous là, et à Paris, là, il va partir de l'Afrique, mais à venir pays d'Haïti, il dit à l'île, dans tout le sud de Jamaïque, pour les pays comme les États-Unis, la France, le Canada, avec l'ONU, et bien, on va décider sur l'avenir du pays d'Haïti, ou bien encore, on va dire, coucher, et qui j'ai dit, comme eux, ils ont fait une proposition depuis longtemps par les acteurs qui sont dans la ville d'Haïti pour soumettre des propositions. Alors, ils ont fait soumettre une seule proposition. Et c'est là, tout d'un coup, ça a été vraiment impossible que les acteurs concernés n'ont pas été capables de jouer une solution unique pour être capables de faire. Donc, les acteurs concernés n'ont pas d'accord, mais chaque monde présente la réforme pour propre proposition par eux. Qui gouvernement en pouvoir présidentiel avec le Premier ministre. Alors, tout ça qui vous pose, excepté le groupe 21 décembre, qui lui-même proposé pour que le Premier ministre Ariel Henry était dans le Premier ministre. Mais après ça, la proposition qui voulait pas carré comme yo, je vais dire le Premier ministre Ariel Henry la donne et n'a pas parlé que le Premier ministre Ariel Henry. Et c'est une carte dit que l'y empêcher. C'est moi. L'y empêcher et l'y toujours Porto Rico, si il est après dernier nouvelle, il toujours Porto Rico côté l'y bloqué. Il ne va pas venir en Haïti, un paquet vol commercial, donc il va venir en Haïti. Il devait être tentatif pour aller en République pour le venir en Haïti. Ça va marcher. Il va marcher. Son travail. Pas un son. Et puis, il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Eh bien, attendez-moi, attendez-moi. Donc, c'est Haïti, il n'y a pas de vent. 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 Donc, continuez, il faut vous entendre. En tout cas, le premier ministre est bloqué dans Porto Rico, pour ne pas être arrivé, pas rien. Il n'est pas capable de passer le week-end parce que le président dominicain, Luis Abinader, décrété personnellement de l'Arta, donc personne n'est désirable. Ici parce que il y a alors il dit que Haïti sous un pilotage automatique. Donc par les dirigeants, par les gouvernements, pour le premier ministre qui est en place, ils sont improvisés par rapport aux décisions. Donc ça veut dire que actuellement, ils sont divisés eux-mêmes, toutes les propositions de CARICOM sont larguées, ou plongées, ils ont fait pour si CARICOM est d'accord entre eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord sur une solution unique. Alors il y a qui propose, il y a présidentiel avec 7 membres qui proposent au pouvoir présidentiel avec 5 membres qui proposent au pouvoir présidentiel à 3 membres donc pour le ministre mais il n'y a pas retourné encore et vous avez que des divisions qui baissent donc vous avez la comme et ça peut être comme nous dans le pays en amont ou à dégager avec nous et fait ça pendant ce temps ancien premier ministre ancien ministre de justice haïtien Paul Denis monsieur Maurice et monsieur Maurice dans le local dans sud pays d'Haïti et côté que du censé après parler du Liban. Donc et voilà, et nous comprenons que l'ambassade américaine débarque personnel et non essentiel dans l'ambassade là. Samedi, ils sont en opération et d'ailleurs, on va faire la prochaine fois. On va en faire plein dans la nuit, peut-être qu'on a dormi. Et puis tout le l'Union Europe, l'Allemagne, et bien il y a tout lieu évacué personnel et diplomatique, tout le voyant en attendant que le pays arrive. Thank you.
discussion qui était dans le centre des meetings de mars. Alors, quand j'ai pris senti pour nomination, parce que j'ai dit qu'il y avait quand j'ai pris senti à parler de l'encore, et quand j'ai pris senti pour nomination parti démocrate par Joe Biden, le monsieur était trouvé dans Georgie, pour dire que son état qui est capable de déterminer le cabinet important dans l'élection présidentielle novembre 2024. Donc, monsieur était là, et bien, de ces immigrations, était dans la discussion. Je vous regrette. Que vous mentionnez l'immigration illégale, et pas l'immigration illégale, mais ce que vous avez fait devant le champ congrès réuni jeudi passé. Et président de l'ancien président de la République a profité de ça. Il dit que y a un signe qui était mort, mais sont immigrants qui étaient dans le pays sans document légal, qui a tout ça, ça va donner un peu de liberté. Et c'est lui qui est pris. Et fini à ça, et bien, les histoires administratives sont pas là, ces administrations sont pas là, l'immigration n'a pas là, puis aucune autorité législative. Donc, c'est là un signe qui nous donne que l'immigration n'est pas un sujet important dans l'élection présidentielle de 2024. Ça veut dire que tout le monde est content. Bien qu'on a que nous, nous sommes vraiment nous parler, mais nous sommes très bien. On va parler.